Ben, je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis là. Coucou d'abord, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien. Oui, encore. J'ai fini de bonne heure ce samedi. Et on est le 25. Ouais, c'est ça. 25, 26, 27. Oui, c'est ça, 25. Et bah oui, j'y suis retournée. Donc, en face, il y a grand frais. Alors, en grand frais, j'ai juste acheté du raisin. Voilà, qu'on a déjà quasiment tout liquidé. Et mon mari est un très grand fan de bretzel. Et il y en a là-bas qui l'aiment bien. Donc, comme je passais par là, bah, je lui en ai refait un petit stock. Passionnant. Hop, bim. Ensuite, bon bah j'espère que vous avez le temps parce que je pense que ça va durer un petit moment. Voilà, c'est rempli. Donc, il y a de quoi faire. J'ai repris trois boîtes comme ça pour ranger des trucs ou éventuellement faire un embellissement de box ou je sais pas. Pas sûr, mais... au moins pour faire des rangements, je ne sais plus les prix. Je ne sais plus, mais je vais bientôt savoir. Je cherche. Je ne vais pas tout chercher comme ça, hein. Je vous le dis. Oui, ça va être le dernier. Coffret. C'est 99 centimes. Donc, il y a ça. Il y a... Bah voilà, ma note grand frais pour trois trucs. J'ai une grande note. Bref. Vive la planète. Bon, je vais mettre ça sur moi. Hein. Ce sera plus pratique. Ça fera du bruit, mais ça sera plus pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y en avait, alors j'en ai pris parce que le scotch transparent, bah, j'en trouve pas. Voilà, ça fait des semaines que j'en trouve pas dans mon action. Il n'y a que du marron. Donc là, il y en avait du transparent. Bon, il est tombé, c'est pas grave. Donc j'en ai pris trois. Voilà, comme ça, les envois que j'aurai à faire, je pourrais bien les fermer. Et ça fait... qu'on mette du marron ou du transparent, c'est pareil. Mais des fois, j'aime mieux mettre du transparent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah ouais, j'ai trouvé ça, c'est drôle. Non mais ça m'embête un peu de fouiller comme ça. Bien organisé, hein. Voilà. J'ai rapproché un carton. Comme ça, j'ai mis sur le carton. J'ai trouvé ça, je me suis dit, je les prends maintenant. Ce sont des... Bon, on les voit mieux. Des selles de table avec des petits gnomes. Voilà, je me suis dit pour le moment de Noël, et ben pour mettre ça sur ma table, et ben c'est plutôt sympa. Il y en a 4, ça tombe bien, de toute façon ma table on peut pas en mettre 50. Donc voilà, un petit paysage avec des petits gnomes, c'est mignon. Ça c'était vraiment pas cher, hein, c'était moins d'un euro. Et il y en a 4. J'ai repris 2 blocs. Voilà. Pour bah, j'ai un truc à faire et puis je me dis que un bloc ça ne va pas suffire, donc j'en ai un de chaque. Déjà j'ai pris le rouge et le vert, voilà, au cas où vous les avez pas vus, mais je suis sûre que vous les avez vus. Hop, attendez, hop, voilà, vite fait bien fait. Je vous les ai déjà montrés, hein. Hop 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 hop. Ça j'adore. Oui, j'ai, je suis prise du nez là. Voilà, celui-ci et celui-là avec tous les tartans. Moi j'aime trop les tartans. Tartans, c'est les écossais. Voilà, et puis dans les tons verts comme ça, ça fait très classique, vert et rouge. Vert, rouge et blanc de toute façon. C'est des basiques. Voilà, du tartan, du vert, du tartan. Et voilà. Mais bon, hein, c'est vite fait bien fait, je vous les avais déjà vus. Alors donc, ensuite, allez, un peu de bouffe. Bon, allez, j'ai pris des
cappuccino comme ça. En fait, c'est surtout les chocolats chauds qui m'ont attiré. Voilà. Et les cappuccinos, j'aime bien aussi. Alors ça, c'est pour faire un chocolat chaud. Mais je me demande si on rajoute du lait ou de l'eau. Parce que il y en a qui disent qu'il faut mettre de l'eau, il y en a qui disent qu'il faut mettre du lait. Moi, j'avoue, je préfère avec du lait quand même. Un boisson instantané saveur chocolat. Eh bien, ils disent pas. Préparation. Apporter de l'eau froide à ébullition. Verser le contenu d'un sachet dans une grande tasse. Verser en remuant l'eau qui vient juste de finir de bouillir. Donc faut mettre de l'eau bouillante. Bah ouais, mais ouais. Vous faites quoi, avec de l'eau ou avec du lait? Oui, bah c'est comme les cappuccinos, hein. Voilà, c'est des petits sachets comme ça. Rien de spécial, hein. Mais de l'eau. Oui, il doit y avoir du lait en poudre à l'intérieur, c'est sûr. Et ça aussi, c'est avec de l'eau. Apporter de l'eau froide à ébullition. Ah ouais, c'est la même chose. Bon, bah écoutez, on fera moitié-moitié. Voilà. Non, c'est meilleur avec du lait quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai trouvé ça. J'ai pas vu le prix. Bon, je me suis dit, ça va pas être très cher. Pam, 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 pam. Coffret. Non, c'est pas ça. Pochoir. Ça, c'est 4,99. Voilà. C'était le dernier. Hein. Le dernier de la liste. Hein. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est un pyrograveur. Mais c'est qu'il y a plusieurs embouts. Voilà. Donc, pour faire éventuellement des petits trucs de Noël, c'est pas mal. Même si tout est déjà quasiment bouclé. On peut rajouter une ou deux petites créas entre deux. Hein. Ouais, là, c'est pas mal. Regardez. Il y a les motifs que les embouts y font. Hein, c'est plutôt pas mal. Ça fait ou des petits zigzags, ou des traits, ou des points, des ronds. C'est pas mal. À tester, voir si c'est... Ceci, c'est comme le truc pour, sur le verre. Bon, c'était pas extra extra, mais... Ensuite, bah, je me suis dit, quand je vais en vouloir, il n'y en aura plus. Donc j'ai pris deux guirlandes blanches. Comme ça, blanche un peu nacrée, voilà. Et deux rouges. Hein. Bah, on fait dans le classique. Parce que bah, là, il y en avait. Et du coup, je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas. Parce que quand je vais en vouloir, il n'y aura pas ce que je veux là. C'est des toutes simples. Donc je sais pas combien elles font en dimension. 2,70 m. Ça va, hein. 2,70 m. Alors est-ce que... alors le sac, les masques, les chocolats. Frosting tube. Cappuccino, 1,19 €. Guirlande, 1,16 €. Bon, ça va. Ça va. Alors, j'ai trouvé un truc aussi, ça c'est de la bouffe. Mais bizarrement, j'ai trouvé ça. Ça tombe. J'ai trouvé ça dans le rayon enfant. Voilà. Ça quoi? Bah oui. Dans le rayon enfant, loisirs créatifs pour enfants. Sauf que c'est de la déco. Vous voyez, pour faire sur les gâteaux. Donc je vois pas pourquoi ils ont mis ça dans le rayon enfant. Voilà, on peut faire des décos. Donc il y a trois couleurs à l'intérieur. Et normalement, il y a la douille. Alors attendez, hop. Bon, je vais essayer de pas tout déglinguer quand même. Même si je suis pas très patiente. Hop, voilà. C'est ça. Alors il y a un joli rose. Un violet, un vert, voilà, et des petites poches à douille. Au début, sincèrement, je pensais que c'était les petites décos, vous savez, la peinture,
la peinture un peu épaisse qu'on met des fois quand on faisait les créations de Fimo, qu'on faisait, oui, parce que bon, c'est un peu passé de mode là, les gourmandises en Fimo. Mais il y avait une espèce de peinture épaisse, peinture en relief, qu'on prenait pour faire les petites chantilly, des trucs comme ça, les coulis de glace et tout. Et je pensais que c'était ça. Alors ça, là par contre, c'est plutôt des couleurs vraiment très très basiques. Rouge, bleu et jaune. Hein. Hyper basique. Et c'est pareil, il y a les petites. Il y a les petites douilles. Je pense qu'il faut dévisser ça. Et visser la petite. On va regarder tout de suite. Ouais, c'est ça. Hop. On ouvre, on met ça. Et si on veut. Mais ça va, ils sont fermés. Heureusement. Donc, faire des petites. Quand Margot sera là, je pense que ça va lui plaire. Faire des petites créas comme ça. Quand on fait des petits muffins, là, des petits cupcakes. Décoration de petits gâteaux, cake pop et biscuits. Voilà. C'est du sirop. Bon, du sucre, de l'eau, du sirop. Bon, c'est pas des trucs très très. Hein. Un peu chimique, hein, on va dire, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais le petit rose, là, il est très sympa. Voilà, donc je me suis dit pour tester, pourquoi pas. Ça, frosting, hein, je l'ai trouvé 1,59. Voilà. Alors, c'est très très rare que dans le Action. Je trouve des masques. Moi, j'ai du mal à les trouver. Les masques pour les pieds. Donc, du coup, j'en ai pris 6. 4 à l'avocat. Et 2 à la lavande. Voilà. Il y en avait. Donc, j'ai sauté dessus. Voilà. Pour avoir les pieds tout beaux, tout doux. etc. Avec du shea butter. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Et en tout cas, c'est à l'avocat. Donc c'est en fait c'est des petites chaussettes qu'on enfile, qu'on laisse poser et après on enlève et on a les pieds tout doux. Voilà. Maximum 20 minutes. Ok. Bon, par contre, prévoyez tout à l'avance, hein, faites pipi à l'avance. Allez vous chercher votre verre d'eau, votre thé à l'avance et tout. Parce qu'après, pour marcher avec ça, c'est chiant. Voilà. Et celui-là, la lavande. Bon, j'en ai pris que 2 à la lavande parce que. Parce que je sais pas si l'odeur est forte ou pas. Donc voilà. Et Margot qui en cherchait. Je crois que je vais lui en envoyer. Voilà. Ensuite, bah oui, bon bah voilà. Hein. J'ai pris des bonbons. Des petits bonbons de Noël. Mais bon, c'est juste la forme. Hein, parce que c'est pareil que les crocodiles et les machins habituellement. Sauf que là, bah, c'est des petites étoiles, petites cloches, petits sapins. Voilà, j'ai pas pris grand chose en gourmandise. Donc j'ai pris ces bonbons. J'ai repris ces Daisa. Il me semble que je les avais. Mais je les ai pas recherchés. Mais c'est pas grave. Si je les ai, tant mieux. Si je les ai pas, tant mieux. Non, je vous explique. Si je les ai, c'est pas grave. Puisque pour faire les calendriers de l'Avent, il nous faut plusieurs fois le 1, plusieurs fois le 2 et tout ça. Donc si je les. Déjà, bah, comme ça, je pourrais mettre en une seule fois, en une seule tour de manivelle, bah, je pourrais mettre plusieurs 1, plusieurs 2. Voilà. Et si je ne l'ai pas, bah, c'est pas grave. Je l'ai maintenant. Mais je crois que je l'ai. Voilà. Ensuite. Les dice comme ça. Voilà, mais j'en avais déjà pris la dernière fois. Mais je sais à qui. Je sais quoi en faire. Voilà, ils sont là les autres. Je crois pas que vous avez montré. Alors j'ai ceux-là avec la petite couronne. Voilà. Celui-ci avec le Père Noël. Je crois que c'est mon préféré, celui-là, avec le Père Noël. Donc je l'ai pris deux fois. Et celui-ci, la petite couronne, la fleur de poinsettia, etc. Et là, la dernière fois, j'avais pris. Ah bah là, je ne l'ai pas pris. Ah oui, j'ai dû me planter là. J'ai dû vouloir prendre le paysage. Et je ne l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. J'avais pris le petit paysage là.
Voilà. Et petit Père Noël. Et les fleurs de point de sépia. Voilà. J'en connais une qui va être contente. Le prix, ouais, c'est ça. C'est franchement. Ça, c'est. Ils sont pas chers. Hein. En plus, il y a le dyes. Le tampon. Je crois que c'est dans les 1,50€. Je crois. Ma note. Bah oui, si je cherche sur Grand Frais, je vais pas trouver grand chose. Ouais, je l'avais ma note. Hein. Je l'avais. Bah oui, elle est là. Elle est en dessous. Elle était là où il y avait les masques pour les pieds. Haribo, 99 centimes. Ouais, c'est ça. 1,49€ la planche d'Aise. Et bon, ça va. Ça va, ça va. Ensuite. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que, bah, vous, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un espèce de petite récompense. Bah, parce que c'est pas vraiment, c'est pas un concours, hein, voilà. Petit cadeau dans une vidéo. Et puis, bah, au final, je voulais l'offrir à quelqu'un et puis j'en avais plus. Donc, je le trouvais plus, puis là, je l'ai trouvé et je pourrais l'offrir. Voilà. Celui-là, je l'avais pas pris. Et puis finalement, je l'ai vu là tout à l'heure. Je me suis dit, oh, si quand même, c'est pas si mal. Hein. La rose et tout, pour faire des effets d'épaisseur, vous voyez. Derrière, en fait, ça fait ça. C'est plutôt pas mal. Et il y a un mot, c'est quoi le mot? With love. Oh, bah ça passe partout, ça. Avec amour. Il y a une petite bannière. Eux, ils ont pas mis la petite bannière. Ah si. Ok. Bon, c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. Donc, voilà. Ensuite, c'est bon, on arrive à la fin. On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. J'ai repris des rubans, parce qu'au moment de Noël, on en a toujours besoin. Voilà. Donc, il y a un blanc effet pailleté, neige, vous voyez. Quand il y a du givre, voilà, effet givre. Et je trouve qu'il ira très bien avec un des kits, lequel? Ah ben il est pas là, j'ai mis où les kits? J'ai mis où les kits? Nanana. Ben, je croyais qu'ils étaient tous là. Hop. Ah si, il doit être là. Oh, attendez. Je sais plus ce que je fais, mes affaires. Voilà, celui-ci. Bim. Et en plus, j'ai les trucs qui tombent. Bah oui, je l'ai ouvert. Hop. Celui-ci, là. Voilà. Je trouve que ce petit ruban-là, il va bien s'accorder avec. Donc, nickel. Celui-ci. Ah oui, j'étais en train de l'ouvrir. Je m'égare. Alors ne vous inquiétez pas pour les gommes, ça va bientôt partir. J'ai les enveloppes de prête et c'est toujours pas parti, mais ça va partir. Ah oui, il est quand même assez fin. Et vous voyez, non, je pense pas que vous allez voir. Si ça, il y a des petits reflets comme quand il y a du givre le matin. Là, c'est un organza rouge, pas très épais. J'ai dit ça, pas très épais. Hop, voilà, un petit organza rouge. On ne peut plus simple. Et un pailleté rouge. Voilà, le rouge, hein, rouge à Noël, c'est la vie. Hein. Alors, avec le gros bloc. Alors, dans le action, là, il n'y a aucun bloc 30-30. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai ceux qui m'intéressent déjà. Bloc 30-30 de Noël, aucun. Ah oui, ça fait comme un petit. Comme, vous savez, comme les gaz, les petites bandes de gaz, là. Les compresses. Voilà. Donc j'ai pris ça. Bon, c'est pas mal. Alors celui-ci, il y en a 2,7 mètres. Celui-ci, il y en a 2,7 mètres. Mais ils ont tous 2,7 mètres. Bah pourtant, ils sont au même prix. C'est gonflé. Ruban de Noël déco en rouleau. Alors il y en a 4. Ah bah oui, mais moi j'en ai que 3. Elle m'en a compté 4. Merci madame. Ouais, elle m'en a compté 4. Non, il n'y en a que 3. Hein. Bon bah c'est la vie. Hein.
Il y a des fois, ils oublient de nous compter des trucs, mais des fois, ils comptent en double. Et ben voilà, je suis tombée sur moi, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des petites lumières. Comme ça, en petites. Alors, il y en avait avec 100 LED. Alors moi, pour faire ce que j'ai à faire, 20 LED, c'est largement suffisant. Et ça, c'était vraiment pas cher, c'était 84 centimes. Donc, attendez-vous à voir quelque chose avec des LED. Ensuite, j'ai pris ça, je trouvais ça bien. C'est une petite guirlande, il y a 5 mètres. Voilà, et j'en ai en rouge, normalement. Ouais, j'en avais en rouge. Voilà, et là j'en ai pris en doré. Il y en avait d'autres couleurs, il y avait l'argenté. Moi j'ai un peu plus de mal à utiliser l'argenté au moment de Noël. Il y en avait du vert, il me semble. Du bleu, je suis pas sûre. Il y en avait du rose. Bon, ça fait pas trop Noël tout ça. Donc moi j'ai pris doré. Et puis comme je sais que j'avais déjà rouge, j'ai pris ça. Parce que les autres couleurs, bon, voilà. Et puis c'est tout. Voilà, après j'ai pris des petites. Bah pareil, hein, rouge et doré, les petites étoiles. Bon, elles sont quand même assez grosses, hein, pour mettre dans des shakers, elles sont quand même assez grosses. Mais pourquoi pas, des fois, pour ajouter sur des petites créas, pourquoi pas. Pour faire un énorme shaker, ça peut se faire aussi. Donc, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, c'est vide. Voilà. Ouais, bon, il va falloir que j'arrête d'y aller, hein, vraiment. Bon. Faut pas que je dise ça, parce que plus je dis ça, plus je vais y aller. Donc c'est un peu contradictoire ce que je raconte. Alors il va falloir que je plante mon organza, parce que Niji adore ça, l'organza. Elle le mâchouille, elle adore ça. Donc il va falloir que je la mette en hauteur et que je mette pas ça dans ma charrette, là. dans mon chariot à roulettes. Parce que sinon la miss, elle va se régaler. Donc je suis contente, je suis contente de ce que j'ai trouvé. Voilà, ça fait très, très Noël tout ça. On est encore en septembre, hein, tout va bien. Après ils se demandent pourquoi les gens ils sont ma boule. C'est un peu normal quoi. Donc j'ai hâte de tester ça. Je voulais reprendre des rondins de bois pour faire des tests. Mais il n'y en avait plus, c'est dommage. Parce que sinon j'aurais bien voulu faire des tests dessus, mais... C'est pas grave, je trouverai autre chose à faire. Je dois bien avoir des trucs, hein, dans mes caisses. Je dois bien avoir des trucs. Donc voilà, voilà. Je remets tout dans mon sac pour l'instant. J'ai la flemme de ranger, là. Il est 20h. On va manger des frites. Des vraies frites de maison. Et puis voilà. Hop, on pose ça par terre. Et puis, ah non, j'ai des ouvertures de courrier à vous faire. Donc je vais faire les ouvertures de courrier. Vous voulez voir comment c'est à l'intérieur peut-être? Allez, il me reste quoi? Il me reste pas grand chose, il me reste 4 minutes. Hop. Tac. Voilà. Bah ça fait comme un. Ça me fait penser à la. À la fuse. Ça se branche, hein, voilà, une prise, ça. Ah, les embouts, faut les visser, ok. Il y a un petit truc là pour le reposer, vous voyez, pour pas cramer votre table, parce que l'embout là, faut pas y toucher, hein, quand c'est branché, c'est brûlant. Et là, il y a les petits embouts, voilà. Alors attendez, non, je vais remettre le cache. Voilà, il y a plusieurs. Vous ne voyez rien. Voilà, il y a plusieurs petits embouts. Donc ça peut être sympa. À tester. Ouais, pour écrire des mots, pour. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, stylo pyrograveur avec 9 embouts différents. Idéal pour graver. Des dessins et des motifs sur du bois. Poignée préformée et cordon de 110 cm de long. Alors, tac, tac, tac. Entretien. Au bout de quelques temps, des dépôts de suie peuvent s'accumuler. Oui. Bon, les enfants, faut éviter, hein.
Ne pas toucher le stylo, bah oui. Bah oui, sinon on se brûle. Ne changer les embouts que lorsque le stylo est froid et débranché. Oui, ça me paraît logique, mais c'est vrai que des fois on fait des trucs, hein. Pendant l'utilisation, les parties du stylo deviennent chaudes. Oui, c'est normal. Le cordon d'alimentation. Oui, enfin bon, il y a toutes les petites réglementations. 6 minutes, 7 minutes. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Il chauffe en 6 minutes, il refroidit en 7 minutes. Ça doit vouloir dire ça. Bon, bref. Bref, bref. À tester. Je n'en voulais pas spécialement. Mais je suis passée devant et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop. Alors, j'arrive pas. Voilà. Donc je vais en mettre dans sa boîte, hein, parce que sinon moi je vais perdre les embouts, les machins. Donc autant que je le laisse dans sa boîte, parce que sinon je me connais. Ça va être la cata. Bon allez, oh là oui, il reste quoi? 1 minute 50. Hop, on va manger un petit bonbon, ou tout ça, avant de manger, c'est pas très sérieux, mais j'ai envie. Donc, un petit bonbon, moi j'aime bien les rouges. Rouge, c'est quoi? Oh, bah c'est un petit ange. Je sais pas si vous voyez. Hop, un petit ange. Voilà, hop. Bah c'est que des petits anges ou quoi? Ah non, il y a des petits sapins. Des petites étoiles. Une petite cloche. Oh, c'est mignon. Ça a le même goût que les autres, mais bon. Oh, et ceux-là, ils verront pas Noël. Hein. Bon, allez, hop. Dans le sac, je vous fais des bisous, je vous laisse. C'est pas très poli. Je vais essayer de le caser derrière ma joue là. Voilà, j'espère que ce énième haul bah, vous aura plu. Et puis demain, vivement, le petit chocolat chaud à 4h. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai du courrier à ouvrir et j'ai des frites à faire. Donc, je vous fais des bisous. Il me reste 42 secondes. Donc, de toute façon, je vais meubler jusqu'à temps que ça coupe. Comme ça m'évitera de couper et ça coupera tout seul. Voilà, 32 secondes. Bon, alors, 32 secondes. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Je ne sais pas. 24 secondes. Oh là là. Non, mais vous allez me prendre pour une tarée. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Il reste 19 secondes. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite.